I think in the past, conducting or becoming a conductor was just like becoming a musician. There was a natural environment for musicians to become the next, let's say, principal clarinet player of an orchestra, because they were studying with the people who were playing in orchestras, so they learned it as a craft, and that way of learning and studying is very limited nowadays. It's more official channels. So to add everyday experience to what you can learn in a university, so to do that, these master classes and special environments like a workshop where you're a composer and we give you the opportunity to try out your piece and then give you time to correct it based on your actual experience with living musicians, and then try it again and then correct it again. that's a non-existing thing in the real world, but it's just the perfect way to learn how to compose a piece, how to translate your musical thoughts into reality. And conducting is the same way. You have to practice it. Of course, you can learn that, like I said, back in the historical days, by making 100 mistakes, except now things are so fast in our industry that you don't have a chance to make 100 mistakes, you only have a chance to make 10. And to help you with the rest of the learning, I think an environment like what ECA is doing, or what the Ötvös Foundation is trying to do, to model reality in a very real way, is the way to go. Zu dirigieren heißt immer zu kommunizieren. Und zu komponieren heißt nicht immer, dass der Person kommunizieren kann. Er kann musikalisch kommunizieren, aber nicht persönlich, nicht durch die Gäste. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo endlich die junge Generation wahrgenommen wird. Und das hat sich sehr stark verändert in den letzten Jahren. Die heutige Erwartung für die junge Generation ist automatisch höher. Die müssen früher fertig sein, damit sie eine Qualität zeigen können. Und hat sich herausgestellt, dass es funktioniert. Also es gibt eine große Auswahl, natürlich von sehr vielen jungen Komponisten, von sehr vielen jungen Dirigenten, aber man findet immer ein, zwei, die plötzlich fähig sind, diesen Wunsch zu erfüllen. Und die sind sofort im Geschäft. Und noch eine besondere Entwicklung in der letzten Zeit, dass die Weiblichkeit an der Dirigentfunktion wird endlich akzeptiert. Auch in unserer Foundation letzten Jahr haben wir zwei junge Frauen ausgebildet. Die sind jetzt ganz schön schon in dem Beruf, also sie kommen sehr schnell ran. Und jetzt in Paris war letzten Jahr die erste Dirigentenwettbewerb nur für Frauen. Also das zeigt eine ganz neue Entwicklung. Aber ich freue mich darüber. Ich finde das in Ordnung. Nicht nur in Ordnung. Ich habe, wenn ich sagen darf, also auch selbst dazu beigeführt. Comme toute structure de création, l'ensemble Ars Nova fait travailler et cohabiter dans son fonctionnement beaucoup de métiers différents. Et au final, on voit aujourd'hui que ces métiers évoluent, ils se transforment, notamment pour des raisons sociétales, mais aussi liées au contexte actuel. Ces métiers-là, aujourd'hui, l'ensemble cherche à les propulser dans un monde nouveau, dans un monde qui s'ouvre, dans un monde qui se transforme aussi, dans les relations aux partenaires, dans les relations au public. Et tout ça doit cohabiter et traverser les différents dispositifs qui existent, à la fois les dispositifs de formation, de transmission, aussi les dispositifs de production et de diffusion. Et donc Ars Nova se fait aussi une mission d'accompagner, d'éclairer, même d'être un peu propulseur, une sorte de tremplin pour les jeunes artistes qui arrivent dans le métier, les accompagner, leur transmettre le maximum d'expériences et d'informations utiles, créatives aussi. En tout cas, veiller à ouvrir les portes, notamment paritaires, de l'insertion professionnelle. Comment aujourd'hui on va encourager la formation des compositrices et des chefs d'orchestre. Comment on va vraiment les propulser dans le milieu professionnel et aussi les valoriser pour au final augmenter l'offre aussi à cet endroit-là. Avoir plus de compositrices et de chefs d'orchestre actives dans le milieu professionnel.
teaching is a tricky thing. You need to remember what it was like when you didn't know it, and that I think is what makes a good teacher, is that you're able to say, look, this is what I remember from my practice, is that I couldn't do this either, and then this and this happened to me, and then I tried this, and why don't you try that? And then to see if that method or that way of learning matches the student. We're already working with people who got through the first selection process, which means they're the most likely to succeed in an environment like this. But then you have to consider the fact that they're all coming from different backgrounds, and an environment that is international is the best way to do it. To say it very simply, Beethoven is Beethoven is Beethoven, or Stravinsky is Stravinsky is Stravinsky. So there is a common knowledge that we all would like to acquire, and for that, an environment of an academy attached to a festival is probably the best way to do it, because you are together with an international team. You have something to do outside of your study or outside of the rehearsal hall, and you also have many things to experience. You can go to a concert, you can attend a reception with with people who are actually participating actively in the business. Provide just a way to be channeled into the networking of this business is also part of what the ECA and what the Autriche Foundation is trying to do. Quand on parle de transmission en musique, on peut parler de différentes façons de transmettre, différentes manières d'approcher les professionnels et les publics. Donc il y a la transmission effectivement professionnelle, former les jeunes artistes d'aujourd'hui et de demain. Mais il ne faut pas oublier que la musique étant un art de la communication avec les publics aussi, il y a tous les enjeux de transmission au public, et pas que d'ailleurs, aussi aux partenaires, comment on va transmettre nos projets quand on les construit à nos partenaires. Et pour ça, l'art de la communication en musique devient extrêmement important. Et c'est inscrit au cœur même, dans l'essence créative d'Ars Nova, de toujours penser la communication d'un projet en le sortant d'un contexte un peu, dirons-nous, traditionnel du concert, pour d'abord penser le message de l'œuvre, qu'est-ce que l'œuvre raconte, qu'est-ce que le projet raconte, quand il se peut arriver qu'il y ait plusieurs œuvres dans un même projet, mais toujours se poser en premier lieu la question du message véhiculé par le projet et la manière de le communiquer. C'est de d'abord comprendre le phénomène porté par ces œuvres, le phénomène sonore, physionomique et émotionnel aussi porté par ces œuvres-là, et créer des correspondances. Et ces correspondances-là, à ce moment, on les traite vraiment en créant un contexte toujours au projet musical. Et ce contexte, c'est le premier vaisseau de la communication avec les publics. Et c'est un enjeu aujourd'hui pour le renouvellement des audiences de nos pratiques, et aussi pour ouvrir à des champs nouveaux de public. Puisque en véhiculant un message, avant de véhiculer des époques ou des répertoires, on finit par porter quelque chose de plus universel et d'accessible à toutes et à tous. Schön wäre, wenn man auch die Repertoirestücke wie neue Stücke anfangen würde, einzustudieren. Einige Dirigenten machen das gerne, ich auch. Also ich fasse das auf, wenn ich ein Repertoirestück dirigiere, als ob ich das zum ersten Mal gesehen hätte. Und diese Haltung kommt eigentlich von Mahler. Also Mahler hat das ist auch so gemacht, Pierre Boulez hat noch stärker gemacht. Er war nicht daran interessiert, wie das gemacht wird, wie die anderen gemacht haben. Also keine Tradition. Die Tradition hat er nicht akzeptiert, nur das akzeptiert, als für ihn von den Komponisten mitgeteilt worden ist. Und das ist meine Haltung auch.